Djirama, pas de privatisation. La Djirama ne sera pas privatisée, du moins dans les 10 prochaines années, et aucun licenciement n'est à craindre, a indiqué aujourd'hui l'Antonien Rasoulou Elson, ministre de l'Eau, lors d'une rencontre avec la presse à l'hôtel Carlton à Nouss. La société est toujours entre les mains de l'État à 100%, a-t-il poursuivi. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a profité de cette occasion pour éclaircir ce point et répondre à des rumeurs sans fondement concernant une éventuelle privatisation de la Djirama. Il a lancé un appel au calme à l'endroit des employés. « Ce n'est pas le moment d'entamer une grève, c'est l'heure du redressement », a-t-il souligné. Par ailleurs, Lantour Rasoulou Elson a déclaré que la révision à la hausse des coûts de l'eau et de l'électricité à partir de 2018 ne concerne pas les clients moyens, mais plutôt les grandes entreprises, suivant la nouvelle loi sur l'énergie.